Bonjour à tous, amis. Je m'appelle Pavel Filipov. Avec moi dans le studio, ou précise au bureau, Fedor Konstantinov. Aujourd'hui, nous commençons notre webinaire pour les débutants. Premier, la file d'attente discutée du projet dirigeable de nouvelle génération. Génération, on expliquera comment participer. Participation, comment vous pouvez devenir une partie de cette entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce business Et quand est-ce que nous nous ferons s'élever un dirigeable dans le ciel Avant de commencer, n'oubliez pas votre activité. Lors du dernier webinaire, nous avons finalement vu que vous, vous pouvez mettre plus de 200 likes sous nos des diffusions, mais il faut pourtant constamment rappeler cela. En effet, alors les amis, mettez des likes, faites des partages, rappelez-vous que euh, le projet est populaire, cela dépend de votre activité, comment il va se développer et à quelle vitesse cela va se produire. Certains événements dans le cadre de notre projet, nous diffusons aujourd'hui pour la première fois sur YouTube, donc vous pouvez regarder... Là, si vous aimez cette plateforme, nous y mettrons des vidéos. Abonnez-vous aussi à abonnez-vous aux autres réseaux sociaux. Nous menons principalement sur VContact, sur YouTube et sur YouTube. Et les réseaux sociaux, c'est tout le reste. Vous pouvez voir dans la description sous cette diffusion. N'oubliez pas d'inviter vos amis, ceux qui ne sait encore rien de notre projet. Aujourd'hui sera intéressant. Nous sommes nous-mêmes une entreprise financière. Nous sommes la société financière Solar Group. Nous sommes une plateforme d'investissement. Il y a actuellement plusieurs projets d'investissement et nous ne sommes pas une plateforme d'investissement dans, dans son sens classique. Nous sommes une plateforme participative. Nous finançons des projets par le biais d'investissements collectifs, mais cela signifie que chacun d'entre vous a un petit capital et peut rejoindre nos projets. Nous avons déjà plus de 500 000 clients enregistrés sur sur notre plateforme et vous pouvez également en être un ou peut-être que vous en êtes déjà un. À l'heure actuelle, dans notre projet en tout un montant d'environ 100 millions de dollars a été mobilisé, c'est-à-dire environ 94 millions. Jusqu'en cette année, nous nous franchirons déjà cette belle étape des 100 millions. Nous existons depuis plus de 7 ans donc pendant ce temps beaucoup de choses ont été accomplies. En particulier, nous sommes actuellement sur la phase finale de notre premier projet, Sauvelmach, créer un bureau d'ingénierie, l'entreprise où seront développés, conçus et produire les moteurs électriques les plus efficaces au monde. Là, nous avons une telle phase finale. Maintenant, nous allons parler de notre le prochain projet d'investissement qui a été lancé il y a deux il y a quelques mois, dans le cadre duquel nous allons construire un leader dans le monde de la construction de dirigeables et pas seulement. Et bien sûr, avant de commencer le deuxième projet, nous, nous avons cherché différentes options pendant longtemps. Nous cherchions précisément ce, que, ce qui nous convient, ce qui vous intéressera. Et Fédor Constantinov répondait justement pour cette activité, pour cette direction. La première question, demandez Fédor, pourquoi s'est-on arrêté précisément sur le sujet sur dirigeable Bonjour à tous. Oui Pache, chaque fois il faut expliquer pourquoi. je vais raconter parce que les étoiles se sont alignées elles ont ainsi coïncidé voici sergei semionov directeur général de solar group groupe et voici de pavel philippov au départ j'ai reçu la tâche des critères du projet selon lesquels il faut il fallait sélectionner et trouver celui-là même qui suit et l'un des critères est le projet la technologie et le collectif doit être capable de former toute une industrie et cette toute petite graine, qui est très importante dans laquelle, il sera nécessaire d'investir dans le collectif. Dans le développement, cela devrait donner beaucoup de fruits. Un énorme arbre fertile. Les dirigeables sont certainement probablement la chose la plus vaste de. de tous ces projets que j'ai examinés. Nous avons examiné tous ensemble ceux qui nous ont contactés de leur propre initiative. qui nous avons personnellement trouvés. C'est le plus grand et le plus impressionnant, une fois de il semble les dirigeables aient ce destin. Le fait que leur construction soit possiblement financée, méthode et moyens collectifs est aussi populaire. Et en Allemagne, on construisait ainsi des dirigeables. Hindenburg collectait là en fait une marque de chaque Allemand. Et dans l'Union soviétique, la Pravda du Komsomol rassemblait de manière régulière et constante et des nouvelles importantes et des événements marquants, des informations cruciales. Pour un dirigeable, ils ont réussi à en rassembler deux. Et les Français ont rassemblé dans les années 1800, et donc, les Anglais se rassemblaient constamment, et ce sujet intéresse le public. Mais si par, peut-être certainement, pourquoi tout de même, parce que nombreuses agences d'analyse de l'État, ils se sont mis d'accord pour maintenir la nécessité de la croissance économique dans le domaine du transport et de la logistique, ajouter de nouvelles solutions au système, et ce sont de nouvelles solutions, ce sont des dirigeables. Tout le monde en est arrivé là, et de nombreux pays, ils ont déjà posé cette fondation. La Chine est devant. 22 instituts d'aérostation d'État, ils préparent directement des spécialistes, ils ont déjà fait décoller l'appareil cette année, dans les airs, ont obtenu sa licence et son certificat. En production en série, c'est pratiquement une copie, c'est quelque chose entre notre russe, AU-30 et le New Zeppelin allemand. Ils ont réussi à obtenir cela quelque part au milieu, les Français construisent des dirigeables, les Américains construisent des dirigeables, les Anglais, ils parlent de ce qui sera produit en série, les Airdocor lancent des dirigeables de nouvelle génération, la construction de dirigeables a démarré. Et c'est ainsi que nous avons... Dans le pays, il y a des concepteurs en activité, des ingénieurs en activité, des scientifiques qui s'occupent de l'aérostation. Nous nous y sommes consacrés toute ma vie. Et il y a une équipe qui est capable de le réaliser mais se trouve sans financement, plus précisément était sans financement. Tout le monde y travaillait et bien gagnait sa vie qui... Ou certains avec un thème aéronautique, d'autres là-bas, d'autres corporations déjà à la retraite ici. Et nous avons réussi à les unir donc. Nous avons une demande quelquefois, en général chez les gens, il y a des questions sur ce qu'il est advenu des dirigeables, regardant les statistiques. Selon les requêtes de Yandex, il y a plus de 100 000 résultats. Demande par mois uniquement sur Yandex. Dirigeables. Des dirigeables, où sont-ils passés Les dirigeables, c'est un intérêt très vivant. Si l'on regarde sur YouTube combien de vues et comment ils rassemblent n'importe quelle vidéo qui sort sur les dirigeables, les gens sont vraiment très intéressés particulièrement par les dirigeables de ce côté, les gens s'intéressent aux dirigeables. Tous les pays ont commencé à produire leurs dirigeables. Nous avons une équipe capable de construire des dirigeables, pas de financement. Nous avons Solar Group qui cherche des projets et peut assurer un financement. À mon avis, tout est tombé à pic. Donc, dirigeables. Nous nous représentons tous ce que c'est. C'est comme ça et ici se trouve un dirigeable. Peux-tu dire quelques mots sur ce qu'il en est Quelle est la particularité Comment vole-t-il généralement Et où est-il habituellement utilisé Oui, je peux. Tout le monde pense que le dirigeable utilise la force d'Archimède. Nous allons remplir tout volume avec un gaz porteur. Avant on utilisait de l'hydrogène, puis ils ont commencé. Maintenant ce sera probablement exclusivement de l'hélium. Voici l'hélium. Ce volume génère une portance. Et sur cette force de levage, il ne faut pas dépenser d'énergie. Si l'on compare, comme par exemple avec un hélicoptère ou un avion, l'hélicoptère doit faire tourner son rotor, dépenser du carburant pour rester en hauteur, l'avion doit constamment créer une vitesse propulsive pour que la portance sur l'aile se produise, il ne peut pas s'arrêter. Et il dépense du carburant, et le dirigeable s'élève gratuitement. Conditionnellement, nous avons un tel antigravité gratuit. Il est évident que pour créer la force propulsive ici sont des hélices sur. Des hélices, du carburant et de l'électricité seront dépensés là-bas. Il est clair qu'il a un grand front, la résistance par rapport aux avions et aux hélicoptères. Mais malgré tout, c'est quand même indirigeable. Et considéré comme le moyen de transport aérien le plus sûr et avec de dimensions spécifiques de manière économiquement efficace, il en résulte une zone d'application, les possibilités sont vraiment très vastes, variées, étonnamment intéressantes. Peut-on en dégager quelques éléments principaux, ou les plus intéressants, ou les plus rentables Elle est tout d'abord limitée uniquement par la conscience des gens, l'inertie de la pensée et le modèle économique à l'intérieur, auquel ce processus essaie de se développer. En général, les fantasmes peuvent être illimités, jusqu'à. Jusqu'à. J'aime beaucoup cet exemple, ce que... Cela pourrait être un centre médical volant, carrément. Une véritable polyclinique qui se déplace légèrement dans les zones éloignées. Et là, s'il vous plaît, fournit des services à la population. Cette application non triviale du dirigeable. Et la chose triviale, trouve sur Internet. Il s'agit du transport de marchandises lourdes et volumineuses, ainsi que des équipements spécialisés pour le transport et la manutention de charges lourdes, qui, il est très très difficile de transporter là-bas par les routes, au rail de chemin de fer. Parce que c'est grand. Il se moque que ce soit grand, il... Cela peut s'élever sans aucun aéroport. Usine fabricante, soulever un grand objet non standard, et directement là où il faut, par exemple... C'est une sorte de tour de raffinage de pétrole. Il faut l'emmener directement sur le lieu d'exploitation. Aucun service de ce type ne peut être fourni, mais un dirigeable peut le faire. Ils peuvent être petits, concernant la zone. Application. Ce sont de petits drones qui sont entièrement dans. Dans la version sans pilote, ils effectuent la surveillance des villes, des forêts et des plans d'eau, des limites, de tout ce que vous voulez. Ils peuvent également être de taille moyenne, comme plusieurs types de véhicules, tels que des camions de transport et de livraison. Conditionnellement, qui réalisent certainement cette logistique de transport de marchandises, ils peuvent être énormes, jusqu'à cliniques volantes, hôtels volants ou de tels avions spéciaux comme ceux de nous avons une tâche dans le pays, transportation des lanceurs depuis l'usine de fabrication jusqu'au cosmodrome. Et ce transport est très difficile compte tenu de que toutes les fusées sont essentiellement fabriquées dans la partie européenne de la Russie, nous avons construit de l'autre côté et y amené la fusée de manière économiquement efficace à la destination prévue en toute sécurité avec précision et fiabilité à moindre coût et c'est seulement en dirigeable que c'est sûr. Ils peuvent être comme ça. Et les stratosphériques sont-ils aussi séparément Les dirigeables stratosphériques sont certainement le rêve de beaucoup. C'est un remplacement, à l'origine quelque peu des constellations de satellites. Le dirigeable peut être utilisé à Terre. Il a une capacité de charge maximale. Il peut transporter de très grandes charges. Il peut être utilisé à une altitude supérieure à 5 km. Là-bas, l'atmosphère est déjà raréfiée. Il y a des vents un peu différents. Et alors, il peut être rapide. C'est-à-dire qu'ici, dans les couches denses, il ne... Une vitesse de 150 environ, en gros, km à l'heure. Ce à quoi on peut s'attendre jusqu'à 200 maximum. À plus de 5 km, on peut déjà compter sur... Des vitesses plus élevées, jusqu'à 400, peut-être même plus, voire davantage. Encore plus haut, la stratosphère. Plateforme stratosphérique. Une direction très prometteuse. La même chose que font les satellites communication à distance, sondage de la Terre et autres, ou d'autres, mais à un coût beaucoup plus bas. Pour mettre un satellite en orbite, devez construire une fusée entière, qui n'a été mise en orbite que sur un masque, c'est atterrir. Pour tous les autres, elle tombe. Il place le satellite sur une orbite déterminée, sur cette orbite il se déplace, vous ne pouvez ni le réparer ni le remplacer. Et beaucoup s'accordent à dire que, certainement, de nombreux experts pensent que, aussi, construire un dirigeable stratosphérique, en l'équipant d'un tel appareil, on peut, de manière efficace, donner très bonne concurrence aux constellations de satellites économiques, techniques. En effet, vous pouvez le rebaser, vous avez suspendu, au-dessus d'un point, puis au-dessus d'un autre. Il peut être atterri à nouveau, réparé, entretien technique, remplacer la charge utile, le remonter, et cela, coûte beaucoup moins cher que le lancement spatial. Fusée et construction d'un nouveau satellite. Donc oui, en ce moment sur Internet, eh bien, en fait, en fait, pas sur Internet dans le monde, Internet est comme un miroir, où tout se reflète quelque part. Il y a beaucoup de start-up pour le lancement de touristes dans la stratosphère, mais c'est quelque chose de très... C'est une histoire romantique, elle plaît aux gens. Regardez, les gens vont vraiment certainement faire des balades incroyablement dans la stratosphère, c'est vraiment incroyablement cool, mais tout le monde le sait en secret, dans le silence. Tout le monde pense que les gens bien, mais tout de même occuper la stratosphère d'un point de vue en ce qui concerne l'établissement des liens, des données et autres, voici elle-même objectif car c'est un secteur très lucratif. L'air est occupé, l'espace est occupé, la stratosphère est pour l'instant libre. Mais si l'on compare ces mêmes tâches peuvent certainement être réalisées et pour tous les appareils volants connus et familiers, en comparaison que donne-t-il Le dirigeable est moins cher par rapport à quoi Supposons que nous parlions de le transport d'un nombre limité de passagers ou de marchandises, ou bien en comparaison avec l'hélico 8. Eh bien, cela dépend de la dimension du dirigeable. Avec une certaine dimension, le dirigeable sera certainement le moyen de transport le moins cher, dans le calcul d'une tonne par kilomètre, mais il doit être. Il ne doit pas être seul, il doit y avoir groupe. La série est faite, cela devrait être tout un système de transport, mais il a un énorme potentiel pour devenir le meilleur, tout de même un moyen de transport bon marché, c'est-à-dire économiquement efficace. Si l'on compare les hélicoptères, il est évident que le dirigeable est bien plus résistant, certainement, sans aucun doute. Moins cher qu'un hélicoptère et un avion, y compris également. Il est là en dimension, juste là, jusqu'à ce que je sois vraiment parler à partir de certaines dimensions, il Déjà, avec un camion en termes d'efficacité économique, peut par exemple de manière significative en général se tenir calmement sur une marche et la dimension supérieure à 100 tonnes, 200 et c'est même plus efficace que maritime transport et c'est le moins cher. Et donc, tu parlais de ce que d'autres entreprises essaient aussi de faire quelque chose, ce qui signifie que nous en quelque sorte entrons dans la course de ces entreprises de dirigeables. Et donc nous, juste, nous disons que le projet est réalisé au bon moment, il ne faut pas le faire plus tard, par exemple, il n'y aurait pas de sens à le faire du tout. Peux-tu donner quelques exemples de ce qui se fait Quelles autres entreprises ont choisi ces directions L'Allemagne développe certainement le tourisme depuis longtemps. Direction, ils exploitent là-bas des unités, leur propre New Zeppelin, en fait... Ils font faire des tours aux touristes autour du lac à Friedrichshafen, et ils ont un modèle économique, rentable, et bien rentable. Ils ont beaucoup d'argent entrepris, riches, et cela leur suffit. De plus, ils produisaient auparavant un dirigeable à la fois, à cinq ans, ils l'ont vendu dans le quartier. 20 millions de dollars pour un seul exemplaire. C'est exactement ça. Et ils se sentaient très à l'aise. Mais maintenant, tout ce confort sera concurrencé par la Chine. Parce que, en fait, la Chine a vraiment produit un modèle qui est à peu près similaire, en réalité, et a commandé encore 10 pour l'année prochaine. Si les Allemands font 1 pour 5, dans les années à venir, la Chine prévoit de construire 10 en un an, et précisément et exactement avec le même objectif d'exploitation. C'est le tourisme, il s'agit de tourisme intérieur chinois. Mais en construisant 10 appareils, pour ainsi dire, en les lançant dans le tourisme, ils verront combien ils en ont là-bas, sortira au coût de production en fonction de l'exploitation. Cela sera beaucoup moins cher que chez les Allemands. Et c'est là que les Allemands devront se bouger un peu. Pour l'instant, ils ne voulaient pas bouger. Avant cela, c'est le tourisme en Chine. Chez les Anglais, l'Airlander est aussi du tourisme. Il est mentionné que ce seront peut-être des appareils en série. Tant qu'il est là, je n'ai pas encore de qualité. Je ne l'ai jamais vu voler. Mais il volait. Il avait beaucoup d'échecs là-bas. Lancement, vous les avez vus. Là, c'est double, triple, alors il est dans le sol, voilà. Alors, il rebondissait comme une balle dans. La clôture accrochait. Mais on dit qu'ils ont bien appris à la stabiliser. C'est aussi du tourisme, mais c'est déjà du tourisme VIP, si c'est dans la chaîne. Les lignes sont des endroits, comme dans un avion. Tu es assis, tu regardes par la fenêtre, tu peux te promener. Dans la cabine, sortir la tête-fenêtre. En Chine, ce sera la même chose. Alors, ils font déjà du tourisme VIP, c'est quand ils... Ils promettent un sol en verre des canapés en cuir, un bar-restaurant, cabine et voyage d'une heure à une heure et demie quelque part par une certaine localisation et vers le pôle Nord de manière conditionnelle, oui, c'est très cher. Les billets sont déjà à un prix encore très élevé. Ils ont été annoncés à la vente dans des espaces ouverts, dans des ouvertures, à 200 000 dollars. On dirait qu'une telle aventure coûte cher à une personne. Encore une fois le tourisme mais pour les riches Sergei Brin a notamment assemblé un dirigeable en Amérique, en Californie, selon le schéma des Zeppelin, selon l'Ancien, selon le schéma de Hindenburg. Il voulait rassembler un dur, le plus grand, un dirigeable moderne, et il l'a assemblé, mais avec ses caractéristiques de vol et technique, certainement plutôt, tout est vraiment très triste. Il a déclaré que ce serait un dirigeable de sauvetage. Comme chez nous, des incendies de forêt se produisent périodiquement, il y a également des tiques, des tempêtes, des inondations et autres. Il a déclaré qu'il serait un sauveteur. On ne sait pas encore s'il pourra peut-être leur être, après tout. Mais je sais que Google avait certainement bien des plans. Il voulait construire des dirigeables de grande hauteur pour que, pour y installer du matériel serveur, c'est là-bas le froid gratuit. Mais la génération de hold est très coûteuse. Histoire pour les mêmes serveurs encore. Peut-être qu'il les construisait pour lui, mais personne ne le sait. Nous n'avons pas dit que nous allons assurer localement le ministère des situations d'urgence. Inconnu. Il y a de petites start-up il y a un autre solar, qui est un projet innovant et fascinant il s'appelle Airship. Les Français promettent de le rendre entièrement électrique, sur les panneaux solaires écologiques zéro. Suivi des émissions et autres choses ou autres aspects divers. Ils veulent faire un projet touristique Un start-up a été lancé en Afrique et fonctionne à plein régime. Avec les Français, nous avons créé un petit drone sans pilote, complémentaire et innovant. Tout à fait petit, il part. Les critères des dirigeables sont considérés comme un jouet. Il s'agit d'un drone avec des charges aérostatiques. On peut l'appeler dirigeable il est utilisé pour la livraison, médicaments dans quelques-uns de ses coins reculés. Une application différente Aussi une partie européenne Non, je me souviens de ce qu'ils ont fait aussi. Appareil à décharge aérostatique, piloté. Il s'avère donc que c'est probablement un dirigeable. Plus que chez les Africains. Ils ont été réalisés pour le suivi de la ligne de transport d'électricité. C'est aussi un drone, un véhicule sans pilote pour but. Amazon a un brevet. Amazon a breveté, de manière étonnamment innovante et à la pointe de la technologie, un entrepôt volant. Il s'est chargé quelque part, il survole la ville, et à partir de cela, les drones effectuent des livraisons ponctuelles. Il a traversé l'anneau et a atterri de nouveau. Ont-ils commencé à le construire Je ne sais pas encore, peu probable. Les dirigeables publicitaires sont utilisés quelque part. Récemment, beaucoup ont pu voir là. Ça a fait le buzz sur Telegram, apparemment au Brésil. Il y avait certainement une sorte de compétition de football. Nous avons fait décoller le dirigeable local avec de la publicité à plusieurs reprises, de manière régulière. Les équipes et se sont écrasées contre le bâtiment. Dirigeable publicité. Ils étaient construits auparavant, ils appartiennent à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un construit actuellement de la publicité peu probable, bien que les technologies aient changé, les dirigeables peuvent déjà être construits couverts d'un réseau LED. Ce sera déjà une sorte de publicité, quelque chose comme un écran volant, ou même plus. Beaucoup d'entreprises construisent en réalité ceux qui sont simplement dans l'air du temps, disons, et les directions sont aussi différentes. Et dis-nous, en passant à nous, quels dirigeables nous aurons, quelques-uns simplement, ou peut-être d'autres, nous construisons, quelle infrastructure prévoyez-vous de créer, et quels actifs dans l'entreprise, dans le projet quel type d'entreprise cela va-t-il être, ou bien quelque chose de particulier Comment j'ai commencé avec tu là La création d'une véritable industrie est bientôt prévue. C'est probablement un moyen de transport, système basé sur des dirigeables. Comme ça que tout cela va se. Nous prévoyons de construire graduellement et sûrement, du petit au grand, les dirigeables en général souffrent souvent de déformations professionnelles et de gigantisme, les énormes. Tu fais un peu plus de dirigeables, non ses caractéristiques augmentent très bien. Son armement énergétique, les forces de portance, elles augmentent avec le volume, ou même le sien. Également, en fait, vraiment. La résistance frontale augmente au carré. Et ils tous, ils essayent un peu mieux, un peu plus, un peu plus. Et finalement déclarent, comme chez nous. Maintenant il y a des aérosmen. Il y a aussi ce collectif. Dans notre pays, on dit que l'année prochaine, ils vont construire un dirigeable d'une capacité de charge de 600 tonnes. Il y a beaucoup de telles déclarations sur la planète. Tout le monde parle de 1000, mille, dix. Il est très clair. Nous ne ferons pas cela, car c'est impossible, sans construire une ligne de, de petit à moyen, s'attaquer au grand. Nous ne ferons pas, nous commencerons par le sans-pilote et d'un dirigeable piloté en option et la capacité de charge de ce volume de gaz à partir duquel nous commencerons. Cela représentera 2 tonnes, capacité de charge. Mais il va sans dire la coque pèse un certain poids, les moteurs pèsent un poids et la gondole pèse également un poids. Et notre tâche, tout optimiser au maximum cette affaire, et ce sera exactement un drone qui pourra là environ à peu près 500 kg sans problème, environ transporter sur une distance d'environ 500 km ou plus, soit approximativement 500 km ou plus, il sera comme sans pilote, ainsi que piloté de manière et de tels drones sont vraiment très nécessaires. Peut-être que tu vas dessiner. La dernière fois, tu as vraiment bien fait. Laisse-moi dessiner, s'il te plaît. En plus des aéronefs, d'autres seront créés. Divers hangars et ainsi de suite. C'est-à-dire nous passons à la discussion, ce que nous faisons dans ce projet, pour vous donner une idée plus complète de ce que nous faisons. Ce projet ambitieux et innovant, nous avons pour objectif de créer et développer une société mère qui servira de base solide pour nos futures initiatives et entreprises. Cela signifie en d'autres termes que la société mère sera, en réalité, celle-là. Point de compétence de ce même secteur des transports, dans le domaine de la logistique et du transport, ainsi que dans d'autres domaines connexes et pertinents. Dirigeable, qui comprendra ainsi qu'un bureau d'études, ainsi que quelques autres éléments supplémentaires. Qui sera chargé de la conception il est déjà. Cela inclut donc déjà organisé. Cela comprendra la production expérimentale, complète, détaillée et approfondie. Et complexe d'essais en vol. Cela comprendra par exemple la production en série. Cela inclura la société qui est. qui exploitera tout. Pour cela, un centre de formation est nécessaire. Il y aura certainement et probablement un très grand groupe d'entreprises dans. dans le cadre d'une société mère. Cette société mère est justement. ce projet a été complètement créé grâce au financement participatif. et avec beaucoup de succès. Les premiers produits Un bureau d'études sera chargé de cela. Nous avons récemment eu un conseil scientifique et technique. Nous avons défini les principaux exigences tactiques et techniques pour cet appareil. Et comme je l'ai dit, ce sera cet appareil avec un volume de 2000 m3 est conçu pour des usages industriels. Il peut contenir divers matériaux ou gaz selon les besoins. Le modèle 2200 est reconnu pour son efficacité et sa robustesse. Capacité de charge d'environ 500 kg environ approximativement. On pourra certainement en prendre plus, on pourra en prendre moins. Ce sera évidemment un drone, un drone, euh, je pense que c'est certainement sûr. Le premier maillon, c'est-à-dire le système de transport, il y a conditionnellement un certain centre où sont basés ces drones. Les très grands, majestueux et impressionnants dirigeables ont un rayon d'au moins à peu près 500 km. Ils sont capables de fonctionner en mode automatique sans participation humaine complète, détaillée et sécurisée. Récupérer la charge, la livrer, avancer jusqu'au point désigné, puis faites demi-tour pour revenir en arrière. Ensuite, Procédez au déchargement des marchandises avant de retourner à votre point de départ. Nous avons calculé les dépenses pour les petits ah. appareils, probablement jusqu'à capacité de charge d'approximativement 10 tonnes, voire jusqu'à 40 tonnes. Exactement. Une très grande part des coûts économiques, qui sont souvent sous-estimés, se manifestent lors de divers événements. Ces coûts incluent non seulement les dépenses directes, mais aussi les... le coût d'exploitation du dirigeable comprend les salaires des pilotes et du personnel au sol. Techniciens qui sont directement et activement impliqués, qui participent à un certain processus. Cela atteint presque la moitié. Par conséquent, le premier objectif est de créer un dirigeable entièrement autonome, et il sera alors certainement maximumment économiquement efficace. Et il a déjà une tâche. Dans les régions éloignées, notre aviation soviétique parvient à atteindre ces dernières heures de moteur, et nous pouvons certainement possible et en fait la rupture de la communication de fret entre certains points de peuplement certainement. Et cet appareil accomplira cette tâche avec aisance. Et en ce qui concerne l'économie, surtout en particulier quand il s'agit de l'économie, ainsi que la réalisation technique et aussi l'exécution technique, ce sera le premier appareil, approximately 2000 m Nous le faisons de manière à ce qu'il soit en effet construit comme les dirigeables d'autrefois, effectivement, des hangars, et nous allons également construire des hangars à l'avenir. Mais il a été décidé de faire le premier appareil de cette dimension qu'il puisse passer à une hauteur de 12 mètres, ce qui est considéré comme la norme classique pour de telles situations, assurant ainsi une sécurité et une conformité optimale. Porte dans un hangar d'aviation standard, qui est généralement présent dans, dans chaque aéroport, et pour accélérer le projet, ne pas construire un hangar propre, ne pas y dépenser d'argent pour lui, il faut aussi de la terre. C'était le premier, il a été décidé de faire cela. Oui, mais nous avons tout de même besoin de terre, et dans le cadre de ce projet, nous allons l'acquérir... Nous avons aussi besoin d'un hangar, mais c'est tout est nécessaire pour le prochain appareil. Le prochain appareil il sera éventuellement aussi celui-ci. Voici pour 2000 m3, le suivant plutôt. Il y aura au total environ 1000 m3 d'appareil, peut-être environ plus de 10 approximativement. À partir de 10 tonnes, nous parlons de capacité de charge, et 10 tonnes de capacité de charge, c'est en réalité considérablement plus. Cela fera 10 tonnes. Nous ne savons pas encore exactement à quoi il ressemblera. Nous ne pouvons vraiment pas le dire, car en réalité, au départ, beaucoup les solutions techniques seront testées sur cet appareil. Ils ont probablement des schémas, possiblement. La gestion et autres seront exactement identiques, c'est-à-dire que tout va rouler sur cet appareil, et seulement après, nous pourrons réfléchir à quel sera notre plus grand appareil. C'est-à-dire pas à pas. Nous ne fantasmons pas que nous Nous aurons environ 600 tonnes à partir de demain matin. Et il était nécessaire d'acquérir des appareils pour divers besoins et applications spécifiques. Construire un hangar spacieux, moderne, fonctionnel, robuste et bien équipé sur la Terre. Et dans le cadre du projet, tout cela est bien sûr prévu. Investissements qui sont attirés dans la société mère seront investis dans l'acquisition de terres supplémentaires et autres investissements. Et dans la construction d'un hangar, je vais parler un peu plus longuement et en détail du hangar. Ce n'est vraiment pas un hangar pour dirigeables. Tous les dirigeables sont tous actuellement en cours de construction, initialement lors de la conception. Nous allons y intégrer des propriétés telles que, comme c'est le cas pour un avion, un hélicoptère ou n'importe quelle voiture, c'est un stockage libre. Le hangar concerne davantage l'assemblage en série, dirigeables et leur entretien technique. Et c'est absolument nécessaire et extrêmement crucial car il faut rassembler de nouveau. Les dirigeables modernes sont grands, mais on peut bien sûr trouver un ancien... Hangar qui nous convient en taille appropriée. Et il y en a même chez nous dans le pays, à Krasnoïarsk, Il construisait quelque chose d'énormément très grand et très impressionnant. Usine de construction de navires rivière-mer située en France, célèbre pour sa qualité et son innovation. Et il est là-bas en ce moment inoccupé. Il a à la fois de grandes portes et sa taille est suffisante. Mais ce n'est pas ça, dans le cas elle nous, nécessaire. Et sa construction est vraiment importante aussi. Il y a une société de construction. Nous allons maintenant procéder à l'ajout de cet élément en veillant à ce que toutes les étapes nécessaires soient suivies avec précision et attention. Cela inclut la vérification des... Tout cela fait aussi du groupe. Dans le cadre du projet, il va de soi, acquisition de terrain, construction de hangars, développement et la production de deux types d'appareils, combien en aura-t-il Au minimum deux pièces de chaque. C'est le minimum. Nous allons probablement en construire davantage. Nous allons immédiatement les intégrer dans la production en série. Nous aurons plusieurs prototypes d'échantillons, au minimum deux pièces. Après que nous avons tous les essais avec eux, nous allons réaliser et perfectionner toutes les technologies. Nous en disposerons déjà, pour l'instant, actuellement en coopération, sans hangar propre, mais déjà, il sera possible de les produire en série, donc de les vendre, et par conséquent, en tirer un profit. Et de cet appareil dans le cadre du projet, il faut aussi en construire au moins deux. Mieux vaut en avoir plus si cet appareil est certainement conditionnellement un drone, ou optionnellement piloté, là avec son et peut-être même. Par exemple, en plus, la question de la certification sous licence est encore en suspens. Un grand appareil devra effectivement être certifié sérieusement, oui, certainement, et sans aucun doute, et absolument. Et au moins deux appareils en fonctionnement, très probablement. Presque quatre et tout cela vraiment doit être construit dans le cadre du financement participatif avec l'aide de la communauté engagée et dynamique afin de soutenir ce projet important et innovant. En plus des deux appareils, j'ai déjà énuméré beaucoup de choses ici. Un centre de formation et même une certaine production, production en série. En réalité, la production en série, c'est un hangar plus de petits espaces, peut-être même alloués, pour que ces espaces supplémentaires soient disponibles, pour conserver les technologies critiques. Qui sont essentiels pour le développement et la sécurité de notre société moderne. Un dirigeable est une très grande chose avec de nombreuses des pièces, des nœuds, des ensembles et tout fabriqué de manière autonome. Mais c'est stupide. Au tout début, c'est vraiment très très stupide. Encore, tout cela sera être produit en large coopération. Nous allons prendre des vis, transmission quelque part des moteurs, quelque part quelqu'un avec des plumes. Pour nous, quelqu'un comptera, quelqu'un fera. En fait, ici même, je suis même. Je ne sais pas combien de pièces. Mais tout de même, certaines technologies avancées, telles que les technologies avancées, par exemple le découpage, la soudure, ainsi que d'autres processus, les coques et autres éléments doivent être soigneusement laissés de côté. Parce que si tu fais tout en grand, la coopération a été expliquée, donc quelqu'un peut le répéter. Par conséquent, pour le projet, une partie des éléments critiques, les technologies seront tout de même maîtrisées de manière autonome. Idéalement, oui, bien sûr, maîtriser est la production du tissu lui-même, parce que qui produit la structure qui est chargée de la supervision et du contrôle minutieux de la construction de dirigeables Et tout cela est nécessaire pour, afin de produire sa propre gamme de dirigeables, mais en plus de ce que la propre gamme sera, en réalité, il sera également possible de prendre et d'exécuter certaines commandes spéciales pour la réalisation de certains appareils. Oui, il sera possible de prendre des commandes spéciales. Tout cela est fait certainement pour créer, tout d'abord, une équipe opérationnelle complète et performante et efficace, une technologie moderne et innovante et opérationnelle, et de certaines techniques spécifiques et avancées, et d'une unité commerciale durable. Données et appareils produits en série complètement et efficacement peuvent certainement à l'avenir également assurer le développement de cette, des entreprises jusqu'à une entière industrie sans financement externe complètement. Naturellement, avec un financement externe, on peut accélérer les rythmes et améliorer significativement la qualité, mais dans l'ensemble, la société mère en question, financée par le biais du crowdfunding, sera déjà maximumment durable, rentable et avoir un potentiel de développement. Et bien sûr, elle prendra commandes externes pour le développement. Sous les commandes externes, Pavel faisait probablement référence à. C'est justement le même Roscosmos qui. verra pour parler simplement. Comment nous démontrons nos capacités? Nous avons des appareils qui volent en mode sans pilote. Nous sommes déjà en train de concevoir un grand appareil. Il est évident que de nombreux leaders, les instituts du pays participeront à cela. Déjà, quelqu'un participe, mais nous ne le révélerons pas pour l'instant. Nous devenons donc un acteur sérieux. Jusqu'à ce moment où nous sommes physiquement, nous pouvons construire un grand appareil mais nous pouvons accepter une commande le développement et nous prendrons des commandes pour le développement c'est aussi possiblement l'un des articles rentables à démontrer ses capacités et accepter des commandes externes appareils spéciaux pour les affaires ou solutions pour des tâches spécifiques et peut-être qu'il y a une compréhension oui de ce que sont les appareils viendront plus tard oui c'est-à-dire que nous nous créons actuellement une unité commerciale claire comme tu l'as dit oui, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui gagne de l'argent, qui ne dépend plus des investissements externes, qui est capable, y compris le paiement de dividendes aux investisseurs, mais cela, c'est déjà le premier pas, n'est-ce pas En gros... Tout est correct. En général, l'objectif que nous avons fixé est quelque peu ambitieux et peut sembler un peu fantastique à première vue, mais il est réalisable avec les efforts appropriés et une planification minutieuse, tout à fait réalisable, absolument pas compliqué. Après avoir assemblé le 10 tonnes, Assembler un 40 tonnes. Puis assembler. Actuellement, nous produisons environ 100 tonnes et nous visons à passer à la production de 200 tonnes dans un avenir proche. Ne prends pas en compte les stratosphériques, stratosphériques quelque part avec un poids de plus de 40 tonnes. C'est en fait une histoire qui est vraiment fascinante et captivante, vraiment unique et à part et qui mérite d'être raconté, maximal en termes de profit. Le premier à faire lever un dirigeable stratosphérique dans la stratosphère, l'argent s'envole également là-bas, dans la stratosphère. Et la création d'un appareil de 200 tonnes, ce n'est pas l'objectif de créer un appareil de 200 tonnes, mais l'objectif est de maîtriser leur production en série, économiquement et durablement, justifié, fonctionnel et parfaitement intégré dans le système de transport. De nombreuses agences d'analyse en viennent à dire que celui qui pourra éventuellement possiblement produire en série de tels appareils et leur utiliser de manière qualitative pourra devenir la société la plus riche sur la planète, ouvrir la route de la soie aérienne. Et c'est possible, c'est très possible, et nous efforcerons d'y parvenir. Et tous ces appareils et technologies et continue la production et le centre de formation, tout sera mis en place. C'est uniquement pour atteindre un objectif aussi grand et ambitieux que nous devons travailler ensemble avec détermination et persévérance. Eh bien c'est tout, probablement en fait, en termes généraux. Alors, racontons comment cela peut être fait. Participez ou ajoutez quelque chose d'autre ici. Eh bien s'il y a des questions et des questions, oui, nous ajouterons cela plus tard. Voici justement la première question que j'ai vue le premier vol de l'état aura-t-il lieu dans l'oblast de tomsk probablement sans pilote oui parce que l'oblast de tomsk elle semble être spécifiquement dédiée à ces drones technologie donc il pourrait y avoir un premier décollage là-bas sera sur le site conditionnel de l'usine le deuxième peut là-bas être à joukovski sur un champ expérimental et son essai en combat sur le terrain sera à vous cher public imaginez ce moment oui, je pense que ce n'était pas à propos de ça, a dit, mais vous pouvez poser vos questions, en principe. Vous pouvez déjà le faire maintenant sur YouTube, sur Vcontact. Nous examinerons toutes les questions, nous répondrons à toutes les questions. Avant tout, avant de passer aux questions, parlons, le sujet qui vous intéresse certainement, sûrement, surtout. Si vous êtes ce novice qui découvre cela pour la première fois, regarde la présentation comment y participer, comment. Vous pouvez, disons, contribuer à ce que tout cela est apparu le plus rapidement possible. Au début, avons dit que nous soutenons nos projets d'investissement collectif. Ce projet n'est pas une exception. Aujourd'hui, nous attirons des financements pour réaliser. Voici ces tâches dont parlait Fiodor. Il est déjà prévu au cours de l'année faire décoller le premier dirigeable dans le ciel. Et le premier appareil, disons, de l'entreprise, Nova en discutait plus tôt aujourd'hui, c'était le sujet au bureau, quand cela peut se produire. Je ne sais pas, Fiodor jugera peut-être que c'est nécessaire. On peut donner un petit aperçu comme à ce sujet. J'ai déjà dit oui, beaucoup. Je m'excuse pour ma toux. Je ne comprends pas ce que c'est. J'ai un peu été malade. Dès le début du projet, j'ai dit ce que ces ingénieurs, ces concepteurs que nous rassemblons, et nous, ils se sont réunis. Ils ont un hobby, c'est le lancement, appareil stratosphérique, ballon léger non dirigé, et dirigé, en hauteur, ils ajustent leur altitude, s'adaptant au fil du temps. Ils ont vraiment envie de développer cette direction. Ils ont aussi un certain avenir, à la fois commercial et tout à fait dans un intervalle de temps même prévisible. Tout le monde a dit, allons-y, continuons. Auparavant, tout cela était fait sur ses propres fonds, de manière conditionnelle, comme un hobby, mais à vrai dire, c'étaient des gens savants en réalité qui le faisaient avec beaucoup de passion et de dévouement, c'est nécessaire à des fins scientifiques. Il était impossible de ne pas les soutenir. La question parce que c'est dans dans tous les cas, cela mène à de grandes plateformes stratosphériques et il a été dit que nous pouvons être les premiers lancés même d'ici la fin de l'été. Mais en raison du fait que les priorités ont légèrement... D'autres étaient, nous devions nous organiser et organiser un travail sérieux sur un grand appareil, nous avons des délais, ont été considérablement déplacés vers la droite, et voici la date la plus proche à laquelle. Ils ont déjà dit quand le travail a été lancé, et que tout le monde est revenu à ce travail, loin d'être la première priorité. Ils ont dit, eh bien, en gros, nous avons terminé là-bas, comme système de lancement, etc. Nous pouvons déjà lancer ce samedi. À quoi nous ne nous sommes pas préparés Certainement. Samedi, un peu comme ça. Trop tôt Attendons une semaine Voici donc un aperçu de la diffusion d'aujourd'hui, juste que. Pas cette semaine, possible semaine prochaine. Il est possible que le premier appareil de la société Nova vole déjà, et il y aura même quelque chose de similaire à une sorte d'émission ou de vidéo. Nous vous montrerons tout cela. Oui. Des tests du système de communication sont prévus pour le moment. Sur ces appareils. Sur cet appareil spécifique du système. Lien, et en plus, réaliser un direct depuis la troposphère, peut-être même éventuellement, personne n'a encore vraiment jamais fait cela dans notre pays. Donc c'est vraiment l'objectif de créer du bruit autour de ça Ne fais pas de bruit. Eh bien, au minimum, je pense que beaucoup de ceux qui ne surveillent pas le projet s'adresseront à cela surtout si vous euh, spectateurs et d'autres investisseurs diffusez cette information concernant ce que le premier appareil est lancé, ce qui sera une diffusion en direct dans les prochains jours, nous publierons des informations pour cela. Il était nécessaire de comprendre jusqu'à fin quelles sont les références ou envoyer quoi à qui. J'espère que nous fixerons la date exacte. L'essentiel c'est que la météo ne pose pas de problème. Oui, il fait beau ce samedi. Mais regarde Lancer un direct depuis la stratosphère. Quand la planète est couverte de nuages, ce n'est pas aussi intéressant. Avoir jour ensoleillé, le vent et tout ça, c'est déjà sans grande différence, ou quelque chose comme ça. Eh bien d'accord, donc tout est dit, toutes les informations seront là, nous publierons tout cela sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles, revenant directement à la participation des personnes qui sont maintenant... Cette diffusion est regardée, et pas seulement par moi. J'ai déjà dit que tout cela est créé avec de l'argent, investisseurs privés. Et à l'heure actuelle, actuellement déjà grand, le chemin parcouru seulement deux mois se soit écoulé, mais le premier appareil est en cours de lancement. Un conseil scientifique et technique s'est tenu pour le premier dirigeable. Le travail a commencé au bureau. L'équipe s'est rassemblée au même endroit. Nous avons tout raconté sur le webinaire d'actualité mercredi dernier. Veillez regarder. Les premiers investissements sont déjà dépensés pour les besoins du projet. Et maintenant, nous sommes exactement au tout début. C'est-à-dire que vous devez bien comprendre que maintenant, en fait, chez... Nous sommes exactement à ce moment précis dans ce qu'on appelle, en d'autres termes, la phase de préfinancement. Il peut encore y avoir quelque chose d'incompréhensible, qu'il n'y ait pas certains matériaux. Voici les gens qui demandent quand il y aura des rendus 3D. Par exemple... Mais en même temps... Il est possible de participer au meilleur dans ces conditions. Et maintenant, je vais en parler. Dans l'ensemble, le projet attire actuellement la somme de 100 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars sont attirés. Des investisseurs privés qui seront 49% de la société en cours de création ont été transférés. Chacun recevra sa part en fonction du montant que la personne investit. Aujourd'hui, chaque investisseur reçoit des parts d'investissement. Vous pouvez acquérir ces parts. Sur, notre, sur la plateforme d'investissement Solar Group, en investissant des montants variés. Et après la fin du financement, ces parts seront échangées contre des actions d'une autre entreprise. Actuellement, l'entreprise Solar Group, les parts, vous acquérez, elle, est. Eh bien, elle sera bientôt à être déjà en fait tant qu'il y a un tel accord, mais elle sera réalisée. La société Solar Group détiendra 49% de la nouvelle. Et donc, sa part, elle ensuite, Cédera aux investisseurs c'est à dire à vous Je pense que vous comprenez évidemment quoi faire avec une part dans l'entreprise. il y a toujours deux méthodes classiques: gagner sur un tel investissement c'est soit avoir vendre cette part à un prix plus élevé que vous l'achetez maintenant parce que bien sûr l'entreprise est à un stade actuel où elle ne fera que le premier appareil sera lancé et l'entreprise qui sera située à ce point qui va générer des revenus c'est une entreprise qui coûtera des sommes différentes et avoir une capitale différente. À l'heure actuelle, l'objectif est de faire progresser l'entreprise Nova avec une capitalisation d'environ 1 milliard de dollars. C'est un chiffre plus que normal et certainement calculable. Concernant les revenus que l'entreprise recevra, ce calcul est basé sur la production en série de deux types de ces appareils dont j'ai parlé. Je pense que oui, Pache, il le faut. Parler un peu plus des délais. Tu parles de 100 millions de dollars. C'est un délai assez long, à vrai dire. Et donc, le montant est tout à fait réaliste. Nous l'avons déjà fait et nous pouvons le répéter. 3 à 5 ans, cet objectif que nous avons maintenant, nous plaçons le temps devant nous et justement, elle est corrélée avec les délais nécessaires directement pour la réalisation des tâches dans le cadre du projet. Parce que le dirigeable n'est pas seulement l'argent, c'est aussi... En fait, la conception, le temps directement, pour sa création, son lancement et tout ce qui s'y rapporte, et plus encore. Le premier appareil, je ne sais pas, il semblerait qu'il ne l'ait pas dit, à voix haute, mais le premier vol expérimental de 2000 mètres cubes décollera dans environ un an. Il s'avère qu'en réalité, une année est déjà moins qu'une année. Parce qu'il devait décoller dans un an, nous l'avons dit, il y a environ un mois, ainsi le premier appareil décollera dans environ un an, mais. Le certifié, on peut y obtenir par exemple, ou même un certificat de type. Il est possible d'obtenir un certificat de produit unique afin de, pour l'exploiter commercialement d'une manière ou d'une autre, il faut un certificat. Obtenir cela prend aussi du temps, c'est bien sûr évident, et très certainement, et cela bien sûr prend du temps, et c'est quelque chose que nous devons accepter. Il faudra beaucoup de temps pour la Terre, si c'est le cas là-bas aussi. Il y a un choix, soit prendre un aéroport déjà près de quelqu'un d'autre, c'est cher soit prendre de l'agriculture dans la réserve, ou nous allons construire ces hangars, alors c'est très longtemps en termes de travail administratif pour traduire en l'utilisation correcte de cette terre. Il y a des connaissances qui ne sont pas dans l'oblast de Moscou, et dans la région, ils se sont construits une ville aérienne privée, ils ont mis environ 5 ans pour ce domaine, environ, sur le plan directeur de la ville, la zone agricole a été signée comme aéroport. Avec une piste et quelques constructions déjà en place. Et donc, oui, 3 à 5 ans. C'est très rapide pour la création d'une production en série de deux types d'appareils de manière continue, appropriée et efficace. Et 100 millions de dollars. C'est très bon marché si on regarde. Combien dépense exactement le même brin, combien il a dépensé Il semble déjà qu'il y ait là-bas pour 200 millions de dollars. Il a dépassé et c'est seulement un appareil qui l'assemble. Il n'existe actuellement aucune usine dédiée à la production en série de ces produits, ce qui entraîne inévitablement des délais de livraison plus longs que prévus. Réaliste, non réaliste. La somme est réaliste, non réaliste. Mais le dirigeable lui-même est aussi magique. Histoire. Parfois on demande, on dit que Brin a combien d'argent à dépenser et ne lancera pas. À quoi cela est-il dû qu'il n'y parvienne pas Pour beaucoup d'argent, ça marche. Il n'y a pas d'école il était d'usage. Décision de gestion de recruter des ingénieurs de haut niveau de différentes industries. Simplement leur donner une tâche, construire immédiatement un énorme appareil. Ils ne connaissent pas toutes les maladies infantiles. Quelques autres maladies infantiles. Il fallait commencer petit, un peu plus grand, moyen, ou bien un peu plus grand. Ensuite un jour atteindre le grand. Toutes ces maladies, que l'on pouvait très, assembler rapidement un petit petit, et y faire des expériences. Ils ont tiré sur le grand, à cause de cela, et les délais s'étirent. Et le montant est infini. Eh bien, dans l'ensemble, ils ont choisi, avec ce schéma, ils construisent avec soin un dirigeable rigide. Ils n'étaient pas professionnels des dirigeables. L'affaire, ils ont consulté quelqu'un là-bas, avec, par certains experts, selon l'avis de nombreux experts, mais ont néanmoins choisi et opté pour un schéma qui est considéré comme douteusement très rigide, il est devenu très lourd pour eux. Avec des matériaux et des technologies modernes, avec intelligence, avec la bonne approche, il avait le dirigeable Hindenburg, sa propre dimension et sa propre capacité de charge. On peut construire des dirigeables de la même taille, avec des matériaux modernes, et il sera deux fois plus léger, et sa capacité de charge presque quatre fois plus, parce qu'il pesait lui-même beaucoup, il traînait un peu... Ce qui restait en termes de portance. Et donc, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et nécessaires, en tenant compte de tous les aspects possibles, Brin construit un appareil lourd, presque un Hindenburg. C'est compréhensible, c'est plus facile, mais ça ne fonctionne pas. Du tout. Revenons directement aux conditions, certaines spécifiques, pour les investisseurs, plus ou moins, tout ce que j'ai dit, aujourd'hui vous achetez quelque part. Obtenez des actions, obtenez une part de l'entreprise, 49% pour environ 100 millions de dollars seront environ remis aux investisseurs. Par conséquent, vous pouvez déjà investir maintenant cet argent. Déjà maintenant, ils seront probablement utilisés pour leurs propres appareils, ainsi que pour les salaires d'ingénieurs et de tout ce qui est nécessaire pour cela, pour que, comme Fiodor a dit, dans un an déjà le premier, nous avons fait décoller l'appareil dans le ciel. Ici, tout dépend de vous à quel rythme les gens vont projeter, soutenir ainsi, il continuera à se développer. Nous avons bien commencé, nous avons commencé activement, si ce n'est que je me trompe, on a passé 2000 investisseurs et nous avançons avec un financement suffisant pour que, comme vous le voyez, en seulement deux mois, se préparer activement au lancement du premier appareil. Je félicite ceux des investisseurs qui ont rejoint le projet. Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires. Nous allons maintenant passer à vous, puis à eux. Nous lirons certainement les questions sur Vcontact, sur YouTube et sur YouTube. Tous les liens étaient dans les nouvelles. Abonnez-vous aux réseaux sociaux aussi, vous voulez suivre les nouvelles. Et rappelez-vous bien entendu que nos projets ils sont d'une part certainement les parties offrent la possibilité de gagner de l'argent d'être partie intégrante d'une grande entreprise. Mais d'un autre côté, nous sommes pour une grande idée. En effet, les projets que nous réalisons, ils, ils changent vraiment le monde et la Russie de manière très significative et positivement pour le mieux. Nous faisons ce qui doit être fait. Avant, pour une raison quelconque, cela ne fonctionnait pas. Et vous pouvez devenir une partie de ce grand ensemble des histoires où, grâce à vous, les dirigeables sont enfin en Russie et dans le monde occuperont leur place légitime et méritée, eh bien, en plus de l'argent, comme on dit, vous aurez de quoi faire, être fier, car c'est assez intéressant et important. Oui, au moins par soi-même sûr. Il serait agréable de voler là-bas. Nous étions en Allemagne, moi. J'ai fait un tour sur un appareil comme CA. C'est une sensation indescriptible. Ce n'est pas un hélicoptère. J'ai pris hélicoptère. Ce n'est pas un avion. Nous avons tous volé avec eux. Cela ressemble davantage à une sortie vers le calme de l'eau en bateau ou en vedette. Vous êtes sorti, les moteurs se sont arrêtés, et tu es calme. Tu es debout, avec assurance, tu te sens en sécurité, rien, ne fais pas de bruit, tu ne tombes pas, rien. Tu es simplement dans le ciel. Oui. C'est certainement et sans aucun doute absolument possible. Oui, il est nécessaire et nous le faisons déjà. Bientôt, de tels cétacés navigueront dans le ciel, nous serons dessus, faire du roller et gagner de l'argent, eh bien naturellement, où serait-on sans ça Bien ce que tu dis dans en Russie et dans le monde, il est très probable, il sera certainement plus rapide de les produire en série et de les exploiter. Peut-être même pas dans notre pays. Il existe des régions où cela est absolument vital. C'est également vital pour nous, mais nous avons dans le pays, il est traditionnel, Commencer par quelque chose meilleur, quelque chose pour quelqu'un pour soi. L'Afrique, l'Indonésie et l'Inde sont des régions très nécessiteuses. Là-bas, les exigences et les règles en matière d'aviation sont certainement plus simples et sans complications. Avec la bureaucratie qui concerne l'aviation, il est probable que les premiers échantillons expérimentaux soient ici. Nous les construirons, mais où seront-ils utilisés massivement si cela se produit exactement et comment cela va-t-il se dérouler précisément Soudain, en Russie, une telle prise de conscience pourrait survenir. Ici, bien sûr, mais l'Afrique semble évidemment prometteuse. Et voilà, avec, avec eux, dans de bonnes relations de partenariat, et les investisseurs d'ailleurs chez Solar, il y a beaucoup de Solar Group en Afrique, et d'ailleurs, ils avaient un intérêt très vif. J'ai déjà organisé des webinaires chez Solar Group, je ne sais pas, il y a 190. Quelque chose d'étrange a investi dans le projet précédent. Combien ai-je investi dans cela C'est pas peu pas. Il y a des pays de premier plan, environ 30, oui maintenant. Quels pays sont en tête des principaux investissements dans solar Eh bien, nous montrons généralement le top 10. Et pour cela, je réalise quelques webinaires supplémentaires sur le top 10. Les investisseurs sont intéressés à leur fait d'or. Viens chez nous, dis-nous ce que vous. Ils se sont réunis pour faire quelque chose de nouveau. Et hier, j'ai rassemblé beaucoup de participants, ainsi que d'autres, lors du webinaire pour l'Afrique. Les gens, j'en ai tant. Je ne les ai rassemblés nulle part, très vivants. L'intérêt tout le monde dit qu'il est très nécessaire c'est très important tout le monde investit l'affaire ils disent construisez les pour nous s'il vous plaît nous avons besoin à la fois de privés et de publics on dit à quel prix seront les dirigeables privés je dis eh bien un dirigeable privé pour le transport six personnes eh bien de manière conditionnelle comme une voiture cela vous coûtera si nous faisons tout ce que nous avons prévu et nous avons prévu sa production en série là-bas une voiture six places fabriquée sur, sur la base de ce dirigeable, juste sans pilote, il peut être rendu moins cher pour son. L'achat sera en fait vraiment équivalent à l'achat d'un bon bateau, en quelque sorte, à bien des égards, en réalité. Ils ont un tel objectif, ils se sont réjouis. Ils nous ont dit qu'il fallait absolument nécessaire des dirigeables pour le bon fonctionnement de notre projet. L'intérêt est grand, et avant de passer aux questions, passons encore une fois, je rappelle la phase de pré-lancement. Le montant de 20 millions de dollars est réparti en 20 étapes de financement. À chaque étape différente seront mises en œuvre les objectifs du projet, somme sera mobilisée. Bien sûr, évidemment, à chaque étape, évidemment, les conditions d'investissement seront certaines modifiées. Plus nous nous rapprochons de la 20e étape, les conditions d'investissement seront certainement moins attrayantes. En d'autres termes, à la première étape, vous, êtes, vous obtiendrez plus avec la même somme. Le nombre de parts, par exemple, à la dixième étape, environ à peu près... On comprend pourquoi, car lors de la première étape de financement, les risques sont supérieurs à 10, par exemple. Ainsi, en tant qu'investisseur, vous compensez votre risque. Nous vous offrons les meilleures conditions d'investissement en échange de ce que... Êtes-vous prêt à prendre de grands risques et à investir dans le projet dès maintenant et ne pas attendre ce moment. Quand les dirigeables voleront, quand tout deviendra déjà évident pour tout le monde, parce que oui, l'argent est bien sûr nécessaire maintenant pour que ce même dirigeable décolle. En même temps, nous ne sommes pas au premier stade de financement. Comme certains d'entre vous ont pu le penser, nous sommes actuellement à l'étape de prélancement ou comme nous l'appelons aussi, en réalité, la phase zéro. C'est une étape au cours de laquelle nous terminons l'essentiel. La préparation en cours pour le principal, disons, tour de financement. Parce que ce projet était en préparation. Il a longtemps préparé cela, pendant trois ans. Et maintenant, vous voyez une telle fin de cette préparation. Tout collectif est exactement réuni. Ils ont convenu des types d'aéronefs qui seront utilisés. La procédure juridique est en cours. La liaison se termine par le marketing, l'emballage du projet. Et tout cela se fait sous vos yeux. C'est-à-dire que, en fait, le projet se lance sous vos yeux. Eh bien, c'est pour cette raison que c'est pas première étape, mais phase pré-lancement. Eh bien, à l'étape pré-lancement, vous pouvez obtenir les meilleures conditions d'investissement. Aujourd'hui, notre remise moyenne est d'environ 1000 en moyenne. Cela dès que nous passerons pré-lancement. La première étape de la remise sera de 500. Qu'est-ce que le discount C'est combien de parts vous obtenez pour chaque dollar investi c'est-à-dire qu'actuellement, pour un dollar investi, vous recevrez en moyenne approximativement 1000 parts. Lors de la première étape, qui aura bientôt lieu chez nous, commencera, vous aurez un retour d'un dollar investi. Recevoir en moyenne environ, environ 500 parts. Donc, si vous rejoignez quelque part le projet, aujourd'hui, vous enregistrez quelque chose d'intéressant pour vous. Les meilleures conditions pour d'investissement. N'oubliez pas cela si vous êtes à ce webinaire. Si le projet vous intéresse, comme on dit, ne le manquez pas. Certainement, au moment où ces conditions sont exactement disponibles à ce moment-là, eh bien, je propose de passer aux questions. Alors, je vais lire les questions. C'est intéressant, comme sur YouTube. Je ne comprends pas regarder le nombre de spectateurs. Nous faisons aujourd'hui notre première diffusion ici, non Je vais comprendre combien de personnes nous regardent. Si quelqu'un voit, s'il vous plaît, écrivez. Merci beaucoup encore. Commençons par eux, ainsi. La première question, n'avez-vous pas peur qu'à la conduite, les KSVU peuvent-ils provoquer une diversion ou autre chose Ils Peuvent faire un drone, saboter ou interpréter un dirigeable Dans l'ensemble, cela revient souvent à ce que, que se passerait-il si quelque chose frappait le dirigeable Oui, et nous répondons constamment que, si l'avion arrive, ici dans la voiture, si cela arrive, c'est probablement, peut-être, certainement, à moins que quelque chose ne change, la fin. Mais non, nous n'avons pas peur. Nous avons des amis, et même plusieurs, dans notre pays. Cela a maintenant commencé très activement. Développement de systèmes anti-drones, c'est-à-dire des systèmes de sécurité. Ils sont fabriqués là-bas pour les voitures particulières, pour des constructions privées, pour des entreprises. Et pour des métropoles de manière efficace. Naturellement, le dirigeable sera certainement une cible très convoitée. Nous allons l'équiper de tous ces systèmes de protection, mais tout est possible. C'est pourquoi, en effet, les premiers dirigeables sont encore un peu plus instables. Temp, ils seront sans pilote, ce qui assurera la sécurité de tous les passagers et des piétons. Garantissant ainsi une tranquillité d'esprit totale pour chacun. Nous allons fabriquer des dirigeables matériaux durables, de matériaux non combustibles et non explosifs, ou similaires par exemple. Nous allons tout filmer et montrer. Voyons, peut-être que nous lancerons même un drone dedans. Voyons comment il va réagir à cela, en ajoutant quelques détails supplémentaires pour clarifier la situation, avec attention aux détails pour voir sa réaction complète. Fiodor a dit qu'il y aura un grand personnel dans le bureau d'études en cours de création. Dites, professeur, ou c'est dans, dans le cadre d'un projet, un tel grand fonds salarial, car le personnel qualifié est un outil coûteux. Naturellement, un outil coûteux. Il est naturel que le grand fonds salarial ait été pris en compte. Naturellement, il faut. En réalité, en fait, il n'y a vraiment pas encore beaucoup d'ingénieurs. Il va sans dire que beaucoup de gens aimeraient participer au développement et aussi participeront. Dans le développement de grands appareils, mais pour soulever ce 2000, il y a beaucoup de gens dans le volume de l'appareil, ce n'est pas nécessaire. Notre équipe est actuellement composée d'environ 12 personnes. Chacune d'elles joue un rôle essentiel, apportant des compétences uniques et une grande motivation pour atteindre nos objectifs communs. C'est précisément avec l'activité d'ingénierie et de conception qu'ils s'occupent, et tout à fait probablement, nous nous arrêterons là pour l'instant. Au cours des six prochains mois, des cahiers des charges seront élaborés, développement sur le principal. Pour le premier appareil, nous en avons besoin. Derrière la tête. Ensuite, lorsque nous passerons à la formation technique de l'apparence d'un grand appareil qui est encore une fois nous avec euh, nous nous en sortirons avec l'apparence technique et les exigences mais dès que nous avons tout cela pour le grand appareil, nous prenons conscience de la situation, c'est alors que l'aspect éducatif entre en jeu, centre, et par terre des employés distincts, variés, ainsi que par la conception et la construction d'un hangar, d'un complexe d'essais en vol. Il faudra vraiment beaucoup s'étendre et de manière extrêmement significative, et particulièrement là-bas. Et c'est là que ce système commencera à se développer. Je pense qu'il nous faudra environ six mois pour sortir. En six mois, nous devrions être prêts. Nous allons économiser assez d'argent pour vraiment se le permettre, en toute tranquillité, en toute sérénité et sans souci, ou même davantage. Est-il possible de concevoir des dirigeables qui, vitesse de croisière de 250 à 350 km Oui, on peut en faire plus, mais seront en altitude, c'est-à-dire le dirigeable près de la Terre, il sera probablement très physiquement impossible de voler à ces vitesses, 5 km à les 400 km. Ils auront une apparence complètement différente. Ce ne sera pas la même. Ces perspectives prometteuses seront maintenues plutôt tout en secret parce que c'est vraiment, en fait, c'est important. Le travail intellectuel, c'est ce fameux savoir-faire. Il ne faut pas le montrer à tout le monde. Nous avons des apparences extérieures très souvent copiées par toutes les organisations concurrentes ou même légèrement modifiées. Il en a été de même, en effet, pour la navette Bourane, deux jumeaux. Et notre petit shuttle soviétique, le Lapote, est actuellement en cours de production par la NASA. Maintenir une apparence extérieure peut être coûteux, car cela nécessite souvent des dépenses pour des vêtements, des soins de beauté et d'autres. Le configurer bien correctement, les propriétés aérodynamiques et autres, c'est certainement un très grand et important travail. Mais bien sûr, il est certainement possible de voler à de telles vitesses. Allons-nous montrer de tels visages nous allons en montrer certains, d'autres non. Allons-nous les construire Il est tout à fait probable que nous y parviendrons. Est-il théoriquement possible de concevoir un dirigeable stratosphérique d'où les systèmes peuvent démarrer Livraison de satellites orbite Théoriquement possible et certainement en pratique aussi possible. Sera-t-il économiquement viable cela peut-être Il est nécessaire d'étudier en particulier cette question. Les Chinois ont récemment lancé un... Une petite fusée à propergol solide de la plateforme stratosphérique, et dans l'Union soviétique, de tels projets existaient aussi, et en Russie moderne, cela est très souvent discuté. Souvent, techniquement possible. La viabilité économique n'est pas encore vraiment très claire. Certainement, il faut s'y retrouver, mais. Vivre et voir. Pourquoi le montant attiré lors de la pré lancement n'a-t-il pas changé Il y a encore 2,5 là-bas, bien qu'on ait dit que le passage sera un million de dollars. Denis, parce que nous en avons parlé que un million de dollars, au fait, je ne sais pas où ils ont échangé. Peut-être dans le compte personnel, peut-être être sur la feuille. Il faut absolument changer, oui, mais en même temps, en effet, bien sûr, nous avons dit que peut-être même un million de dollars, pourtant même ce montant, elle n'est pas à 100%, disons ça, donc je suis aussi sûr. Je porte votre attention là-dessus. Mais dans un avenir proche, cela, il y a une conférence précise, qui soit dit en passant, aura lieu le 16 novembre. Nous aurons lieu, profitant de l'occasion, je vous rappelle que 16 en novembre, nous avons une grande conférence Solar Group à Moscou, où nous parlerons également de projets de dirigeables de nouvelle génération, où je serai, bien sûr, et Fyodor, et je pense que l'équipe de concepteurs le sera certainement aussi, sans aucun doute, au moins très nombreux. Et tout, tout le monde sera là. Super, on pourra les rencontrer en personne, discuter. Ils joueront sur scène et il pose des questions en personne donc n'oubliez pas de venir mais assurez-vous de vous inscrire à temps car le nombre de places est limité voici il n'y a pas de lien sous cette diffusion mais dans votre espace personnel vous vous trouverez le lien pour vous inscrire ici à la conférence là nous annoncerons déjà définitivement à propos de tous ces chiffres peut-être même possiblement avant vous avez dit que vous vous arrêteriez à 500 tonnes maintenant Ils ont dit que c'était seulement sur environ 200 tonnes, car 500, les appareils de plusieurs tonnes seront simplement indispensables Oui certainement, peut-être pour l'instant. Il est communément admis que cela va plus loin. 500 tonnes ne sont pas souhaitables. C'est-à-dire qu'un appareil d'environ 500 tonnes est sûr. La limite logique, au-delà de laquelle c'est déjà absolument de la folie, certainement, sans aucun doute, et indéniablement. Je me suis arrêté à deux stations, j'ai simplement raconté ce que la gamme va certainement croître jusqu'à cet appareil le plus avantageux. Il est peu probable que 500 tonnes soient nécessaires directement en production de masse dans une telle série. Oui, il faudra certainement environ un certain nombre d'unités, mais il est probable que ce qui sera produit en masse sera environ 200 tonnes. C'est pourquoi je me suis arrêté sur eux. Alors, on peut construire environ 500 tonnes, c'est nécessaire, et pourquoi pas environ, environ, à peu près, disons. Eh bien, la dernière question, ce qui est prévu d'être réalisé au cours des premières cinq étapes de financement provisionnel, je pense que c'est à peu près cela, quelque chose comme les délais, environ un an. C'est-à-dire un dirigeable, nous avons déjà dit que nous le lancerons dans le ciel. Oui, c'est comme un but, ou peut-être des parallèles. Nous lancerons exactement ce dirigeable dans le ciel, nous. Nous définirons précisément l'apparence extérieure du grand appareil et commençons déjà le travail sur la terre et langue qui est extrêmement important et essentiel pour notre avenir et notre planète ainsi que pour les générations futures. Eh bien, parlons un peu plus en profondeur de la société d'exploitation. Peux-tu en dire plus à son sujet Que dire à son sujet. Il existe une opinion répandue selon laquelle un rouble investi. Dans la conception, il donne environ 10 roubles par aéronef approximativement investi. Environ un rouble dans la production d'appareils en série donne 100, environ roubles de bénéfice et un rouble investi dans l'exploitation. L'appareil donne 1000 roubles. Allons-nous exploiter nos appareils Bien sûr, nous le ferons. Allons-nous peut-être éventuellement, probablement, possiblement vendre à quelqu'un appareil, partager l'expérience d'exploitation afin de Y avait-il de plus en plus d'entreprises opérantes Naturellement, nous le ferons parce que dans nos dans l'intérêt d'avoir plus d'appareils supplémentaires. Que dire à leur sujet Pour l'instant, je ne vais pas raconter quoi que ce soit. Nous avons une personne qui est vraiment, vraiment, très, très, très incroyablement exceptionnel, comprend profondément dans tous ses transports, systèmes et entreprises opérantes. Nous aurons certainement quelqu'un lors du webinaire. Il racontera tout de manière très détaillée, précisément, en profondeur et avec soin. Alors bon, c'était comme ça. Maintenant, la dernière question précise avec YouTube. Passons maintenant. Maintenant. Denis te remercie, Fédor, pour tes réponses. Passons avec contact ici. Tu as déjà répondu à une question, quelque chose comme à propos du dirigeable à Tomsk. Ici, ici, Alexandre écrit un commentaire intéressant que dans, dans la région de Moscou, ils ont trois dirigeables à chaleur. Ils volent activement avec eux et avec, participeront avec plaisir à ce projet. Bonjour, collègues. Ravi de vous rencontrer. Écrivez sur Telegram, je ne sais pas. A... êtes-vous dans notre groupe Telegram ajouté ou non Je pense que sous cette diffusion là où vous voyez, il y a bien un lien. Il doit y en avoir un. Faisons connaissance. Probablement avec nous. Vous êtes naturellement familiarisé avec vos collègues concepteurs qui travaillent avec vous dans votre environnement professionnel. Nous allons construire grands outils. En gros, un groupe sur V Contact où c'est une page personnelle. Il y a vraiment certainement des aéronefs ici, tu vois. Les gars, ils le font en fait, si je comprends bien, effectivement dans la région de Moscou. En réalité, c'est ce qu'ils font en effet, vraiment évidemment. D'accord, je vais t'envoyer le lien. Alexandre, oui, écrivez à Fiodor. Venez au bureau. Venez au bureau, nous verrons comment cela pourra se faire. Nous sommes actuellement à la station de métro Voykovskaya. Donc nous vous attendons pour une visite guidée. N'hésitez pas à nous rejoindre. Combien de personnes un dirigeable peut-il transporter Petit, environ 2000 cubes, environ 4-5, peut-être quelques-uns, auront peut-être de la chance, si c'est vraiment le cas. Le rendre ainsi, tant qu'il sera sans pilote de fret. Plus l'appareil est grand, plus il est. Il peut transporter des personnes. Si l'appareil pèse 10 tonnes, cela signifie qu'il peut transporter 10 tonnes de charges utile. Prendre si la personne moyenne pèse 70 kg et a des bagages, il en a 30 avec lui, cela fait 100 personnes. C'est 10 tonnes, 100 tonnes, 1000. Une personne, 200 tonnes, 2000 personnes. Eh bien, après tout cela, c'est une question de confort. Il va sans dire que c'est un hôtel volant, restaurant ou plutôt à l'avion. Et pourquoi précisément 40 tonnes et pas 50 il n'y a pas exactement environ 40 ou même 50. Tout se fera de manière progressive. Nous déciderons exactement quand nous serons précisément d'accord sur... Pour le premier appareil, nous commençons à négocier le deuxième. Quand d'accord sur le deuxième, nous commençons... À développer selon les exigences tactiques et techniques, troisième, quatrième, cinquième. Et tout cela sera précisé. J'ai à peu près montré avec quel... Cela se développera étape par étape. Eh bien, c'est-à-dire pas environ 500 kg, mais environ 100 tonnes, environ 500 tonnes et environ 10, 50, 100, 200. Si 50 plaît davantage, je peux parler de 50. Tout ira bien de toute façon. Que prévoit-on exactement de faire avec le tout premier dirigeable Il propose de le vendre aux enchères et possiblement remettre l'argent dans le projet Ou peut-être... Le tout premier dirigeable, il sera en effet certainement plus expérimental sur... Nous allons travailler sur différents schémas et différentes solutions. Dès que le schéma sera stabilisé dans quelques instants, nous en produirons encore quelques-uns. Que faire premier Vendre aux enchères. Peu probable. Il est logique de vendre, c'est censé, exploiter et acquérir de l'expérience opérationnelle en explorant de nouvelles méthodes complémentaires et innovantes pour enrichir. Continuer à l'utiliser comme un aéronef, laboratoire s'il est direct. Il ne sera plus nécessaire, évidemment, il y a deux options. Ou bien, par exemple, peut-être, possiblement, éventuellement, soit continuer à l'exploiter soi-même, ou bien alors, s'il sera approprié. Si sa deuxième ou troisième modification n'est pas trop importante, en réalité, différer, et cela peut aussi être commercialement viable, intéressant, ou comme la deuxième, troisième modification, mieux laisser partir dans le commerce que le travail continue. Faut-il le vendre aux enchères Réfléchissons. On ne sait pas qui va l'acheter et ce qu'il en fera. Et si lui, tout comme les Brésiliens, par leur stupidité, laisseront entrer dans la maison, il est évident qu'il sera sans pilote. Avec l'intelligence artificielle, ça survole. Mais qui sait ce qui se passe avec lui On peut superposer. Il est très probable que les appareils soient certainement transmis en premier. Possiblement, à qui cela pourrait-il arriver lors d'une enchère Mais certainement pas. D'autant plus que le prototype expérimental est précieux. En fait, il y avait l'idée de vendre de la publicité dessus, je ne sais pas. Allons-nous y revenir Vendre de la publicité et vendre tout Indirigeable pour quelqu'un Ce sont deux choses différentes, occasionnellement. C'est juste en rapport avec la question de ce que les réflexions sur le sujet, que pourrait-on en faire Comment peut-on le récupérer d'une manière ou d'une autre Car cela peut apporter un maximum de bénéfices. Il y avait des propositions ici. Vous voyez, le Zeppelin est écrit. N'importe lequel. Sberbank, n'est-ce pas je n'en ai vraiment pas envie. Je n'en ai vraiment pas envie, non Cette publicité est vraiment très forte. Est-ce que les dirigeables eux-mêmes ont été dévalorisés On peut y faire de la publicité pixelisée. Il suffit de pixeliser. Il y a une telle idée. Et pour que dans chaque pixel, tout le monde puisse... Peut placer le sien et ensuite générer d'une manière ou autre, d'où une certaine image qui est souvent perçue comme très belle et vraiment incroyablement belle, presque comme un chef-d'œuvre vraiment Pour que Sberbank ne soit pas écrit là-bas, certainement, ou quelque chose de similaire, peut-être. C'est un état populaire, non un état de Sberbank. D'accord, d'accord. Oui, c'est la version la plus vulgaire, mais en général.. Nous réfléchissons aussi à la manière dont cela pourrait être fait, peut-être, être même déjà le rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Il y a en fait beaucoup d'idées et dans. Voici le constructeur. Même à la première conférence scientifique et technique dans ce conseil, ils ont commencé leur rapport et discussion avec des informations complètes et détaillées. La position selon laquelle il doit être chez nous, être rentabilisé, économiquement viable et ainsi de suite. Cela crée certaines limitations et restrictions dans la direction, ainsi que dans l'orientation de l'utilisation, ainsi que dans d'autres aspects. Nouvelles technologies, nouvelles solutions, etc. C'est-à-dire s'il doit s'être rentabilisé, doit coûter moins cher. S'il est moins cher signifie il faut économiser quelque chose. Nous n'obtiendrons pas de dirigeable moderne. Si nous devons vraiment et certainement explorer ce chemin, donc nous avons un peu plus de retard. Avec le premier appareil, un peu plus que prévu. Concrètement avec le tout premier. Nous le rendons quelque peu de recherche scientifique pour tester les meilleures solutions. Il n'a pas pour tâche d'être en aucune façon d'une manière commerciale attrayant. Que la deuxième, troisième modification soit attrayante, déjà en série finalement, faut-il amortir premier dirigeable Il est vraiment comme ce sacrifice de sa recherche scientifique. Cela créera la possibilité de créer ces fameuses séries légèrement des distributeurs de produits. Et naturellement, ils l'achèteront certainement, et il peut certainement rester avec nous, absolument, sans aucun doute, vraiment, bien sûr. Comment l'atterrissage sur l'eau effectué Il y a aussi la cabine en bas Tous les dirigeables seront naturellement conçus pour certainement atterrir sur de l'eau, parce que poser un dirigeable sur l'eau, c'est. Il est généralement le plus sûr d'atterrir là-bas, sur une plateforme bétonnée, en toute sécurité. Et s'accrocher à un encre intégré là-bas, c'est. Une tâche simple est de s'asseoir tranquillement au bord du lac. C'est plus. La tâche est beaucoup plus facile et tous les appareils seront conçus. Avec l'atterrissage sur l'eau, il va de soi que si le zeppelin atterrit certainement sur l'eau, rien de bon n'en sortira. Parce qu'il n'est pas adapté à cela. Nos appareils, qui sont conçus avec soin et précision, seront parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques. Sur la carte des vents, y a-t-il une calme au centre des courants circulaires Dans la mémoire, semble quand même petit. Il y a des courants, mais pas comme ça. Sur le cercle principal, eh bien, à différentes altitudes, tout est vraiment certainement aussi différent. Bien sûr, n'est-ce pas En effet. Les voiles rigides sur la coque sont-elles justifiées si... Choisir l'altitude de vol avec le vent de dos en tenant compte de manière optimale et sécurisée. Eh bien, dans l'ensemble, il est comme une voile. Il a très une grande surface et un vent favorable. Et ainsi, il en sera certainement. Au tout début, moi, je pensais vraiment également que c'était vraiment le cas. Ce qui était surprenant, on pourrait y mettre des voiles, mettre très romantiquement, mais ils seront probablement le déstabiliser simplement, le surcharger. Et si jamais nous juste un jour nous développerons des matériaux étonnamment super légers super résistant et moderne, là sur la base de charbon composite élaboré, d'aérogel éventuellement, afin que ces voiles ne pesaient rien. Elles étaient maximales et rigides, et étaient gérées très rapidement. Il peut y avoir quelque chose. Le sens apparaît, mais pour l'instant, à ce moment précis, avec la base matérielle actuelle, les voiles qui sont actuellement utilisées pour diverses applications dans plusieurs domaines, il semble certainement qu'il n'ait pas de sens très concret. Eh bien, il semble que nous ayons une dernière question. Sur V-Contact, et ensuite nous passerons sur YouTube. Ce n'est pas une question, une suggestion. Il propose de créer un musée construction de dirigeables. Disons simplement, le musée des dirigeables, du petit au grand. Eh bien, d'ailleurs, je pense que ce sera une bonne idée quand nous aurons nos propres appareils. Il faudra un certain showroom et le mettre en place, certainement, pour démontrer certaines analogies. Je pense, pourquoi pas, pour l'intérêt. Bien sûr, évidemment, ils sont tous sur le dirigeable, peut-être tous... Les appareils seront stationnés, c'est déjà... Ce sera comme une sorte de showroom. Un musée, c'est quelque chose de vieux. Et qui ne fonctionne pas, après tout, c'est un showroom. Quelque chose de fonctionnel, démontrant ses capacités. C'est-à-dire qu'il se réalise de lui-même sur le dirigeable. Donc oui, mais ce sera quelque chose de non couvert. La pièce. Parce que voilà, juste un petit appareil, c'est 40. Mètres de long et là environ 11 mètres dans diamètre, c'est-à-dire le corps même du dirigeable, plus bien sûr encore. Il y a la nacelle, le revêtement et ainsi de suite. C'est un petit appareil et il y a de grands appareils là-bas. Environ 100, 200, 300 mètres de long. On ne peut bien sûr pas aménager de tels locaux. La première question concernant l'étape... Quand cela changera-t-il, moi Je vous ai déjà répondu aujourd'hui que c'est maintenant. Nous avons invariablement ce dont nous avons parlé. Nous collectons un montant d'un million de dollars, mais cela peut vraiment changer. J'ai dit que ce serait avant la conférence ou pendant la conférence. Nous serons déjà bien prêts pour cette conférence à ce moment-là, ah. comme il se doit. Dire documentation technique. Comment nous formerons pour le premier dirigeable Qu'est-ce que nous devons avoir prêt Pendant que je lisais les questions, j'ai manqué l'écoute. Nous avons organisé une conférence scientifique et technique. Conseil à votre avis, s'il vous plaît, quelle documentation doit être prête L'appareil spécifique, oui pour le premier Tactique, exigences techniques, proposition techniques et des détails techniques supplémentaires ainsi que des considérations, justification en tant que note comme d'ingénierie. Lorsque notre premier lot de documents sera formé, alors nous pouvons déjà dire avec certitude nulle part où nous ne ils se sont trompés en mentionnant précisément ce montant pour l'étape de prélancement, mais cela va bientôt se produire, ce travail est en cours. Oui, il y avait une question ici que tu as manqué. 100 millions de dollars, ça fait combien en kamaz Environ, approximativement. Je ne l'ai pas lu à haute voix, parce que je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas vraiment non plus la réponse, et c'est... Nous avons effectivement arrêté certains corrompus c'est possible. Regardez l'argent ils avaient dans, dans les appartements. Évaluez combien il y a de quelques mètres cubes. Mais tout cela en même temps. Et ici, vous comprenez 5 ans. Et c'est chaque mois. Voilà. Alors voilà, petit à petit, petit à petit. Et ainsi simplement. Ensuite, la réalisation prend du temps, ne s'accumule pas. Donc dans les Kamas, probablement pas du tout. Voici le profit pourra être dans... Elle sera mesurée. En camase immédiatement, avec soin et précision, sans aucune hésitation. Mais cela dépend aussi des camases. Les camases sont différents. La marque du camase n'est pas indiquée. Avec trois dirigeables qui flottent lentement et silencieusement. 100, 200, 500 tonnes en tonnes. Oui, il faudra compter l'argent en tonnes et les bénéfices. Alors, dites-moi bien si la vitesse de collecte est suffisante. Fonds, 350 000 dollars par mois. Ne, très rapidement à ce jour, peut-être. Eh bien, regardez, tout est relatif, ce que cela signifie. Rapidement, savez-vous, où que ce soit, dans les vastes étendues d'Internet, certains projets qui collectent de l'argent plus rapidement, oui, en plus de notre propre projet Sauvelmash, c'est le premier moment. Deuxième point, vous devez comprendre qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le montant total maintenant, mais un peu sur d'autres indicateurs, c'est-à-dire sur le nombre de paquets, sur le nombre d'investisseurs, quoi Lorsque des montants de 1 à 2 millions de dollars s'ajoutent à la somme mois, vous devez comprendre que ce ne sont pas ceux, l'argent que les gens ont décidé d'investir ce mois-ci. Les gens perdent des échéances et pour qu'il y ait un tel montant, il doit certainement s'accumuler. Un grand nombre de personnes qui paient ces délais de paiement, et bien sûr il est impossible qu'elles prennent, et c'est accumulé en un mois. Par conséquent, nous avançons mois après mois. À un rythme déterminé. Et maintenant, nous avons le montant d'argent en paiement échelonné augmente, augmente, augmente. Je parle des dirigeables de nouvelle génération. Et après un certain temps, après six mois par exemple, nous sommes déjà, nous atteindrons le même montant, par exemple 1 million de dollars, car cela a un effet cumulatif ainsi. De plus, nous avons même quelque chose d'un peu plus complexe. Cela va-t-il atteindre ce montant Dans quel sens Parce que nous avons ici des délais de paiement plus longs, environ 50 mois le projet précédent, nous n'avions pas de délai, mais c'est aussi une histoire temporaire, donc nous allons supprimer ces délais de paiement. Il est clair qu'étendre un paquet de 5000 dollars sur 5 ans, c'est sûr que pour l'instant oui, ça convient parce que le projet sera financé, c'est inutile. Donc, si l'on regarde ces indicateurs de base, alors j'ai déjà dit que nous avons maintenant déjà des résultats et les rythmes de financement sont dix fois supérieurs à ceux, les rythmes auxquels le projet du moteur d'Unov a commencé. Cela, on peut déjà le comparer. C'est visuel et clair. Donc, le financement est actuellement tout d'abord suffisant, clair. Nous avons actuellement à ce stade seulement tout se forme, donc même, je pense, un montant légèrement plus petit. Il serait généralement suffisant dans l'ensemble. Ensuite, le volume des investissements sera plus critique, quand des personnes seront embauchées de manière plus spécifique pour travailler plus, etc. Oui, très flexible là. Il s'avère que s'il y avait un soutien gouvernemental, programme de financement et de développement, là c'est clair, il s'agit de délais, date limite, nous, en regardant le montant qui arrive, pouvons planifier leurs actions et ne se mettent pas eux-mêmes en difficulté, avancer, conditionnellement, planifier quelque chose au-delà de ces montants. S'il y en avait plus, je pense qu'il est peu probable que nous aurions possiblement considérablement accéléré à ce stade. Tout de même, les questions organisationnelles et administratives, ce n'est pas une question d'argent. Ce ferme, ce sont tout de même des efforts, une personne, ressources, heures et autres. Mais, par exemple, nous pourrions déjà avoir le centre de calcul, commencer à construire pendant que nous économisons pour cela. Bien sûr, il est certainement nécessaire, mais... Cependant, ce n'est pas une tâche de première priorité. Donc il y a assez d'argent. D'accord. Il y a une production de petits dirigeables à Tomsk. Récemment, il y a eu une nouvelle importante et intéressante. Sais-tu quelque chose à ce sujet Eh bien, si oui, dites de qui il s'agit précisément. Combien de mètres cubes y a-t-il environ dans la coque Parce que pour l'instant, tous ceux qui sont. Les nouvelles. J'ai vu. Il y a de très très petits appareils. Vraiment. Là-bas même les mesurer en cubes est honteux. Ils mesurent 6 mètres de long, évidemment. Je vais regarder. C'est plus un quadricoptère avec décharge aérostatique que le grand dirigeable à la fin de la journée, sous le ciel étoilé. Eh bien, à toute première vue, il semble que ce ne soit pas visible. Eh bien, envoyez le lien, faisons quelque chose de plus comme connaissance. Alors combien y a-t-il d'étapes au total Il y a au total 20 étapes, étapes de financement. Mais pour l'instant, ce n'est même pas le premier. C'est encore la phase de pré-lancement. Nous passerons seulement au premier très bientôt. La question de l'enregistrement de la société mère est-elle envisagée À cause de ce schéma dans la zone économique spéciale Considéré. Il existe même un aérospatial spécial. Le cluster a été créé à Ryazan, une ville historique située en Russie. Ils ont dit le premier prototype, soulever l'air et venez. Nous avons dit d'accord. Nous reviendrons dans un an. Tomsk, uniquement pour la formation, le développement, la recherche, l'amélioration continue et l'optimisation continue des BVS, qu'est-ce qui va exactement et précisément propulser vos appareils BVS Pourriez-vous me donner une explication détaillée de ce que signifie cette abréviation, car je ne suis pas sûr de comprendre son sens exact Que Dieu le sache, vraiment, certainement, et sans aucun doute, absolument, et sans hésitation. Alors, qu'est-ce qui va propulser vos appareils Système aérien prêt. Ce qui va pousser. En ce qui concerne les moteurs, nous sommes en train de nous renseigner. Maintenant, ce qui va pousser. Précisément grande probabilité, l'installation de marche principale sera. C'est un moteur à combustion aéronautique qui est examiné. Plusieurs chinois, allemands, encore là. Un certain européen. Pour l'instant, nous n'avons pas de camas en tant que principal. En fait, il est également question d'un schéma hybride, c'est-à-dire avec. D'un côté, c'est juste un moteur d'avion, et là. Deux transmissions pivotantes conditionnelles en proviennent. On peut transmettre le moment, changer les angles, ou les faire tourner. Stabiliser le trajet, ajouter un couple de moteurs électriques maintenant, voici le rapport de pesée. Ceci est un rapport extrêmement détaillé et complet préparé selon ce schéma qui a été élaboré avec soin. Donc, dès que le conseil scientifique et technique est extrêmement important, nous pourrions approuver ce schéma, peut-être que moi aussi, également. Je vais vous raconter une histoire. Et comment sont ah. les conditions météorologiques aujourd'hui demande une personne peut-être rapport avec ce dont nous venons de parler, concernant le lancement du premier appareil ou peut-être en général, oui. Pour que le dirigeable puisse faire face à ce défi complexe, avec certaines légères et variées différences acceptables dans les conditions météorologiques, cette situation, il faut poser la tâche lors de la conception. Elle doit être debout maintenant. Ce que si l'aéronef est équipé d'un faible équipement de sécurité supplémentaire, avec l'énergie, le vent s'est levé, il a commencé à pleuvoir, vous ne pouvez plus l'utiliser. Si tu fixes la tâche que le vent jusqu'à de telles valeurs, conditionnellement, pluie, neige, jusqu'à de telles, il est nécessaire de surmonter les valeurs, cela est simplement intégré au moment de son développement. Là-bas, il acquiert quelque chose, il perd quelque chose naturellement, mais commence à faire face à certaines et variées conditions météorologiques. C'est une tâche ordinaire, et elle en vaut certainement la peine. C'est-à-dire un dirigeable moderne, en particulier quelque chose de similaire, drone cargo autonome, il doit tout de même se distinguer par une certaine capacité tout temps, et non pas attendre que nous arrivions à une accalmie et, du soleil, et seulement après il volera. Une telle solution pour les affaires est le maximum dans le tourisme. Nécessaire peu probable dans l'écologisme, c'est pourquoi l'une des qualités modernes, le dirigeable, est tout de même une question de météo. Et donc, la tâche consiste à construire précisément de tels appareils. C'est la question de savoir comment le dirigeable va résister au vent. Et tu y as justement aussi répondu. Il n'y a vraiment aucun problème à résister au vent. Il n'y a pas de dirigeable. Il y a cent ans, les Allemands étaient tranquilles. Ils ont volé d'Europe en Amérique. C'était là-bas très fréquent. Enfin, pas fréquent. Des vols réguliers, et tout se passait avec la météo là-bas, quoi que ce soit. Et ils s'en sortaient tranquillement. Il y a cent ans, il y a cent vingt ans, et il y a vingt ans. C'est-à-dire que les Dirjabli volaient déjà sur la planète. Le vent n'est pas apparu hier, donc, en fait, en réalité, en gros, ce n'est pas une question. On peut simplement lutter plus efficacement contre le vent seul. Méthode, d'autres ou tierces combiner ces méthodes. Pour certaines conditions climatiques, il est maintenant bon que il y a des big data, il y a une compréhension de quand, où et quels les vents soufflent, à quelles altitudes. Et quand vous fabriquez un dirigeable pour dans une certaine région, il va de soi qu'il y a des éléments spécifiques, les exigences auxquelles le dirigeable doit répondre. Tout est connu maintenant même et tout sera fait comme voilà, si c'est l'Afrique, il fait chaud. C'est une altitude compréhensible. C'est une humidité compréhensible. Ce sont des vents compréhensibles là-bas. Il sera conçu de cette manière. Si c'est le Nord, alors c'est l'autre. S'il faut un universel qui vient d'Afrique sur eux, le Nord peut, donc c'est le troisième appareil. Tout dépend de la tâche. Et en ingénierie, la résoudre, ce n'est certainement pas vraiment un problème. Vous avez un zeppelin sur votre table, quelque chose d'important. Vous ne le faites pas de la publicité Il faut changer pour le nôtre d'ailleurs. Comment va-t-il peut-être s'appeler à la fin Pour l'instant, actuellement, le nom du nouveau se forme historiquement. C'est Pavel qui a proposé cela. Pavel a avoué que ce n'était pas Pavel qui avait proposé cela. Alexei Romanov. C'est nouveau. Mais nous essayons. Enregistrer des domaines, une messagerie d'entreprise. Ils ont enregistré d'ailleurs Aéronovo, parce que tout ce qui. Est lié à quelque chose de nouveau, très fortement encombré. La messagerie d'entreprise Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas un domaine, n'est-ce pas Non. Eh bien, d'accord. À propos. Quand le sien apparaîtra, il apparaîtra bientôt. Oui, Fyodor a déjà... Nous ne le faisons pas de la publicité, c'est juste lui-même. Voici que Pavel a rapporté d'Allemagne. Oui, c'est à ce oui. moment-là que je volais en dirigeable. Bientôt, d'ailleurs, une vidéo va enfin sortir. Fyodor avait déjà barré, écrivait ici quelque chose de nouveau. J'ai écrit avec ce marqueur, qui s'efface très facilement. Oui J'ai un peu vandalisé, oui. Ça avait l'air amusant. Mais pourquoi rayer dessus et écrire à considérer si nous avons d'autres appareils électroniques ou technologiques à notre disposition pour utilisation et exploration. Le Club STA, c'est 100 personnes ou peut-être des milliers de personnes qui ont investi environ plus de 25 000 dollars. Environ dans le Club STA, il ne peut y avoir que 100 personnes qui, dans ce cas, ou comme vous, ils ont écrit qu'ils doivent investir à partir de 25 000 dollars. Vous voyez donc comment nous avons environ 100 nouvelles places disponibles. Il s'ouvre lorsque commence un nouveau projet. À titre d'exemple, disons, dans notre projet précédent, le club 100 était complètement, bien sûr, évidemment très occupé, mais quand il s'est ouvert le projet des dirigeables de nouvelle génération chez nous, disons-le, une opportunité s'est présentée pour encore 100 personnes. Faire partie du club 100, pour cela, vous devez investir environ 25 000 dollars. Eh bien, donc, 5 000 dollars, si vous voulez vraiment rejoindre le club 1000, le nombre de places est limité. Je me souviens, il y avait beaucoup de discussions, vous tous. Vous trompez, vous prenez n'importe qui là-bas. Non, il y a vraiment un nombre limité de places. Ces personnes se connaissent, des fraises. Ah, ils ont leur propre chat, ils y communiquent. Le Club 100 a vraiment beaucoup, vraiment très unique. Informations qui leur sont publiées. Donc, tout cela fait vraiment de nous un club fermé. Investisseurs, il y en a. Et il reste encore des places. Quand le papillon volera chez Duino, peut-être. Il est avec vous et va partager. Il s'agit visiblement de moteurs. Oui, discutez avec Dimitri. Il a dit de mettre en place le cahier des charges. Tout ce que nous devons agir selon la compréhension mutuelle préalablement établie. Les moteurs de Dimitri seront... Être utilisés sur des dirigeables... Et d'ailleurs, sur le plan scientifique et technique... Cela a été mentionné lors du conseil, c'est-à-dire que dans le cas où il serait éventuellement possible d'obtenir, sous certaines conditions ou circonstances spécifiques, pour les moteurs, disons que, évidemment, personne n'est contre... Leurs caractéristiques techniques de matrice. Des moteurs ont ainsi même surpris les dirigeables. Poids, dimension, puissance. Ici, il y a une question avec une proposition. L'État a été sollicité, sera-t-il encore il est permis d'utiliser un dirigeable de tel volume ici l'histoire est différente l'état a fait une demande de manière officielle et formelle à l'extérieur et de manière très officielle vos propositions d'ici la nouvelle année dans n'importe quelle direction de développement de l'état proposer un appareil par exemple une gamme une construction usine des secteurs entiers ou peut-être n'importe quoi, c'est-à-dire que le gouvernement attend une proposition. Il a écrit nous avons besoin de 20 ou de 30 à 300 ou de 20 à 300. Une dimension a été précisément et soigneusement définie pour l'exploitation de la route maritime du Nord. Des dirigeables sont nécessaires. Nous attendons des propositions de toute échelle, format et qualité. Ils attendent cela jusqu'à la nouvelle année. Allons-nous le former là-bas peut-être à cet endroit spécifique, je ne sais pas encore. Peut-être. Je sais que beaucoup de gens se sont vraiment, vraiment animés, et certainement, certainement encore plus, s'est agité et fait ses propositions dans le cadre de ce programme. Mais en fait, ce sont des suggestions et propositions au niveau de la présentation d'un collectif étudiant. Je ne sais pas vraiment comment exprimer cela de manière claire et concise, mais en gros, là-bas, il y a une situation qui est assez complexe, et difficile à expliquer en quelques mots. C'est un... Mince. Je n'ai envie d'insulter personne. En résumé, il est plus facile de faire décoller l'appareil en un temps record, des années, et ensuite parler sérieusement de quelque chose, plutôt que de juste s'occuper de paperasse et d'être au même niveau que les autres. Prouver que tu peux vraiment le faire. C'est plus simple à faire. Je vais probablement, très probablement, certainement écrire moi-même après cela, moi-même, certainement, certainement. Mais cela ne passera pas inaperçu. Simplement quelqu'un parle, quelqu'un agit. Peut-on fabriquer un dirigeable avec un éolien électrique Oui, évidemment, c'est tout à fait possible. À vrai dire. Les Chinois l'ont récemment lancé, mais ils ont lancé cet aérostat importé, c'est-à-dire de la corde de dirigeable. Par conséquent, ce n'est déjà plus ainsi un dirigeable. Mais c'est possible C'est juste un dirigeable si on le détache de. Les cordes, il commencera à bouger avec le vent. Donc, le vent ne fera pas tourner les pales. Et rien ne sera généré. Pour que quelque chose soit généré, il doit y avoir une différence, dans les vitesses légèrement entre la masse d'air et le dirigeable. Alors, il doit activer ses vis, pour ramer à contre-courant, pour que le vent. Il a fait tourner les pales de l'installation génératrice. Alors pourquoi, il est donc plus simple de l'attacher à la corde comme l'ont fait les Chinois. Et alors, il reste juste immobile par rapport à la masse d'air. Oh, ça avance. En résumé, la masse d'air par rapport à lui, générateur tourne. Je me souviens s'ils ont lancé 50 kW. Première expérimentale. 100 kW seront lancés. Dans quelle mesure cela est-il exactement justifié Eh bien, économiquement c'est encore flou. Mais l'expérience est intéressante. Bravo pour ce qu'ils font vraiment. Encore. Bien. Eh bien, il faudra publier la nouvelle. Oui Dirigible Turbine. Nous allons maintenant envoyer ça sur Telegram. Envoie juste directement d'ici. Oui, si vous voulez lire, je le fais maintenant, encore maintenant. J'enverrai dans le chat dirigeable ce prédémarrage à tous les membres concernés du groupe, afin de vous tenir bien informés. Ici, n'est-ce pas Juste un groupe, seulement. Je ne suis vraiment déjà plus dans le bon chat, je crois que c'est par là. Eh bien. Elle y était déjà avant. Eh bien, en fait, c'est Serge qui a envoyé... Eh bien... Que sera dans le volume Hélium russe Bien sûr. Exclusivement russe. Maintenant, de nombreux pays, notre pays en... Ont... Y compris, elle semble avoir interdit le transport d'hélium. Matière première stratégique. Heureusement, nous avons la chance d'être dans un endroit rare où, malgré les défis quotidiens, nous trouvons réconfort et stabilité. C'est un lieu unique pour se ressourcer et se reconnecter avec l'essentiel. Même quand tout semble incertain, l'hélium s'écoule par gravité avec d'autres gaz de levage. Comme toujours. Là-bas, en fait, on peut simplement juste... Directement depuis le gisement. Les ballons allaient voler, donc il est préférable de purifier l'hélium. Mais dans l'ensemble, le gaz en sort déjà de manière ascendante. Oui, Russie sur l'hélium. Nous serons riches, nous volerons avec lui. Sauvelmash rejoignait le club 100, s'inscrire, montant requis Non. Investissant dans Sauvelmash, je suis membre, on ne peut pas entrer à 100 car c'est un privilège. J'étais était disponible pour les 100 premiers investisseurs importants, investisseurs lorsque le projet venait à peine de commencer, le projet Sauvelmash, donc tout est déjà là quelque part possiblement. Il n'est possible d'entrer dans le club qu'en investissant dans des dirigeables. Je ne vois plus de questions, demande quelque chose, un nouveau mot pour ces appareils, peut-être dans l'honneur du dirigeable russe ou quelque chose comme ça. J'ai essayé, Gates, de générer un nouveau mot moi-même. Le mot dirigeable ne me plaît pas, il est français, il est comme ⁇ serait chef d'orchestre ⁇ dirigeable, c'est-à-dire un gestionnaire, contrôlé. Mais nous avons un peu de ⁇ la formation des mots dans les réalités modernes est difficile, complexe et parfois même très exigeante. L'avion vole tout seul. Cette chose vole aussi toute seule, ce qui est incroyablement étonnamment incroyable. C'est en réalité, en fait un avion. Inventer un nouveau mot pour ce vaisseau aérien. D'ailleurs, en anglais, airship signifie vaisseau aérien, c'est exactement ça. Le dirigeable le mot aussi est utilisé, mais très rarement, c'est-à-dire un vaisseau aérien. Les Américains disent oui, le vaisseau aérien, les en effet. Nous pouvons aussi, par exemple, parler de vaisseau aérien ça sonne incroyablement bien encore, vraiment. on peut alors conclure sur cela, il n'y a plus de questions comme ça. combien d'argent est nécessaire pour construire un appareil minimal? eh bien, nous sommes actuellement en train de compter autour de environ un million et demi de personnes, ce qui est vraiment très impressionnant et significatif à bien des égards. de un million, cinq à 2 millions de dollars, nous nous dépenserons à l'avenir pour la construction du premier petit appareil avec soin, attention et une grande précision. c'est pour tout, en général. Généralement, en fait, vraiment, pour les salaires, les matériaux, développement et pour l'achat de ces ordinateurs de calcul. Pourquoi a-t-on besoin du reste du monde Eh bien, parce qu'il faut organiser la production en série et construire un appareil en plus. La production en série de deux appareils, la construction de quais, là, L'acquisition de terre est un processus qui va bien au-delà d'une simple tâche. Elle nécessite une planification stratégique, une compréhension des lois foncières et une évaluation des impacts potentiels. On termine, n'est-ce pas Avant de. En terminant notre diffusion, je rappelle encore une fois, mettez des likes, faites partage. N'oubliez pas d'envoyer ce lien à votre ami qui n'est pas encore, ne suis pas familier avec le projet, accédez directement par ce lien. Vous pouvez tout voir dans l'enregistrement ici. Ainsi, vous augmenterez certainement et sûrement le nombre d'investisseurs, le nombre de personnes qui soutiennent notre projet et accélérer rapidement l'apparition du premier appareil. Investissez vous-même, utilisez notre plateforme d'investissement. Choisissez les propositions d'investissement qui vous intéressent et souvenez-vous que nous approchons bientôt d'eux. La phase de financement préliminaire est légèrement terminée. Abonnez-vous aux réseaux sociaux sur YouTube ou regardez-vous sur Vcontact d'autres liens tout en bas et observez le projet. Le mot investir est d'ailleurs aussi un mot étranger. Alors investissez. Devenez ainsi des investisseurs. Et. Aider au développement d'un projet remarquable qui est extrêmement important et essentiel pour la communauté et l'avenir de notre société. Tout. Au revoir à tous. Au revoir à tous.